suis né en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant, l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? C'est quoi être juif ? C'est appartenir à un peuple qui a un destin singulier et c'est schématiquement être membre du peuple élu. Alors le peuple élu, c'est un concept qui n'est pas extrêmement simple à comprendre et à expliquer. Je cite souvent cette phrase de Tristan Bernard qui disait « peuple élu un peu en ballottage tout de même ». Et donc c'est quand même le sentiment d'appartenir à un monde singulier dans lequel le quotidien et l'histoire sont intimement imbriqués avec la métaphysique. Voilà. Le peuple élu, qui est un concept qui est souvent mal interprété, est considéré par les non-juifs quelquefois comme l'expression d'une prétendue supériorité, ce qui n'est absolument pas le cas. Je ne me sens pas supérieur aux non-juifs, je me sens simplement plus heureux d'être juif. André Neher a écrit un livre qui s'appelle « Le dur bonheur d'être juif ». Être juif, c'est souvent un dur bonheur. Et je pense quelquefois avec mes émotions, mes grands-parents sont morts à Auschwitz, je pense qu'il a dû y avoir des moments où les juifs, en entrant dans les chambres à gaz, maudissaient ce dur bonheur d'être juif. Mais il n'en reste pas moins que, quels que soient les avatars de l'histoire, je considère que d'avoir la tradition que nous avons et le patrimoine que nous avons, et je dirais d'une certaine manière, la double culture que nous avons nécessairement, fait de nous des êtres complexes, quelquefois déchirés, mais en tout cas d'une richesse incomparable. Voilà, je pense qu'il y a un proverbe yiddish qui dit « c'est schwer zu sein Yid », qui veut dire « c'est difficile d'être juif », mais je pense que c'est quand même très intéressant de l'être.